Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog routine du soir. Donc il est actuellement 17h, je vois ma petite série. C'est généralement une petite heure creuse pour moi, 17h, puisque je bois mon dernier petit café. Tout le dîner est déjà décongelé, prêt sur le potager. Il ne me reste plus qu'à doucher ma petite puce. J'avais acheté ce petit vase à Ikea. En fait, c'était vraiment pour arroser les plantes. Elle a décidé qu'elle le voulait pour faire son bain. Donc depuis, elle veut absolument faire son bain avec. Voici mon pain pour ce soir en train de cuire. Je vous ferai un vlog dessus. J'aimerais tout simplement vous faire montrer des petits achats que j'ai fait. Je vous mets tout en barre d'adresse. D'abord, je vous montre ce que j'ai acheté. Je vous montre. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est super joli. En fait, on le met vraiment en milieu de table. Et on met ici trois petites bougies. Et je vous assure qu'au niveau décoratif, quand vous recevez des amis, c'est vraiment super joli. Je crois qu'en fait, je vais vous faire montrer sur la table directement avec les petites bougies pour que vous puissiez voir. Je vous montre, ils ont vraiment bien emballé ça pour pas que ça se casse. Alors, j'ai bien aimé ce genre de petite bouteille. Vous voyez? J'ai bien aimé en fait. Et je pense que je mettrai ici ma petite levure sèche. Voilà, et ça ira directement au frigo. J'ai bien aimé, en tout cas c'est de la super qualité. Et je l'ai payé dans les à peu près 8 euros. Ah, vous pouvez vraiment en trouver de partout. Hein. Action, Amazon, AliExpress, il y en a de partout. Alors, ça j'en ai pris 6. Sauf que je vous montre aussi la boîte. J'ai adoré ces verres. Ils ont un ton de... En fait, ici, c'est transparent, là. Et puis, ça part en dégradé dans les tons de taupe. Et j'ai trouvé ça vraiment joli. Avec ma table en bois, parce que j'ai une table en bois assez rustique, un petit peu entre le vanguet et le bois un peu plus clair. C'est vraiment une jolie table. Et je pense qu'avec ces petits verres-là, ça va être top. Donc j'en ai pris 6. Je vous montre le reste. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je suis super contente d'avoir des objets de maison. Vous avez d'autres femmes qui vont apprécier plus tout ce qui est vêtements, sorties, tout ça. Chaussures, moi c'est pas du tout ça. J'aime vraiment tout ce qui est décoration de la maison. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime personnellement. Et je pense que pour une femme qui est souvent à la maison, c'est vraiment important d'avoir des choses qu'on aime. Voilà, donc c'est pas grand chose, c'est pas des choses qui coûtent cher, mais je suis super contente. J'ouvre avec vous. Alors. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors en fait, je suis tout le temps avec mes marmites. J'ai trouvé ça très sympa parce que j'avais, vous savez, les petits sous-plats pour tout ce qui est marmite assez chaude d'IKEA. Et j'ai bien aimé le motif. J'ai trouvé ça assez joli. Je vous montre avec une marmite dessus. Voilà, c'est vraiment quand on a nos marmites assez chaudes. Je l'ai trouvé trop joli. Alors non, je tourne la caméra. Voilà, la caméra, je la mets de ce côté. Ah oui, celui-là, je l'ai adoré. On voit à l'envers, mais il y a marqué relax. Alors ça, ça va être mon petit verre du matin. Quand je vais me faire mon petit café au lait, je l'adore. Il est trop mignon. Regardez. Ça va relaxer. Donc le matin, on sera en mode relax. J'aurais dû en acheter à mon mari pour qu'il soit un peu plus relax le matin.
une petite poêle. Là, en fait, je crois que j'ai fait une petite erreur en la prenant parce que je crois qu'en fait, quand on met la main et que c'est chaud, je crois qu'en fait, on se brûle. On se brûle la main. Donc, j'avais pas réfléchi. Vous voyez ? En plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de le cuisiner avec de l'huile ici. Donc, elle est vraiment top. Elle est géniale, elle va même au four. Qu'est-ce que j'ai ici d'autre ? Alors oui, ça, c'était vraiment une super opportunité. Si je vous dis que je les ai payés vraiment pas cher, c'est vraiment pas cher. Je les ai eus à 1 euro l'une. Alors, il y a le vinaigre. Bon, là, il y a des petites autocollantes qu'on enlèvera. Et l'huile d'olive. J'ai trouvé ça super joli, en fait. Et vraiment pas cher. Avec le petit bouchon en liège. Franchement, elles étaient vraiment pas chères. Alors, celui-là, je l'adore. Je l'ai trouvé trop mignon. Je sais vraiment pas ce que je vais mettre dedans. Mais je l'ai trouvé trop chou. En plus, c'est en fer, c'est hyper bien. Regardez, j'ai trouvé trop mignon. Je sais pas ce qu'on peut mettre dedans, peut-être des capsules de café, je sais pas, des petites serviettes, aucune idée. Mais franchement, j'ai trouvé trop beau et ça va très bien dans ma cuisine. Je sais pas ce que je vais mettre dedans, on verra bien. Regardez, c'est trop mimi. Trop chou. Et enfin, j'ai pris deux petits thés d'oreiller que j'ai pas payé cher en pur coton. Je vais les ouvrir avec vous. Et j'avais besoin en fait d'un panier pour mettre mon petit papier toilette. Donc voilà, je vous ferai un vlog sur tout ce qui est voilà, salle de bain, rangement de salle de bain, etc. Et puis je vous montrerai aussi, puisque j'ai vraiment un meuble que j'ai acheté à Ikea, pas cher, raisonnable. Et en fait, chaque étagère a vraiment son rangement. Première étagère, c'est tout ce qui est serviette de bain. Étagère du dessus, c'est tout ce qui est serviette pour les mains et pour le visage. L'étagère d'en dessous, c'est tout ce qui est démaquillant, crème de nuit, coton-tige et coton. Et la dernière étagère, c'est le papier toilette. Voilà. Je l'ai trouvée super belle, elle est en osier. Déjà, la qualité, on la sent. C'est vraiment une très jolie qualité. Elle est très agréable. Vous voyez, elle a comme des petites rayures en verticale. Je ne sais pas si on voit, c'est très très discret. Les filles, je vous montre ma dernière acquisition et j'en suis vraiment fan. Donc, vous connaissez sûrement Nespresso. J'ai trouvé des verres... à café au lait, à latte et des verres pour expresso. Franchement, j'ai adoré. Je vous les montre. Alors, d'abord, je vous fais montrer mes petits verres à expresso. Alors, en fait, c'est pas du verre. C'est ça que j'ai adoré. Ils sont super légers. C'est vendu par deux. Vous voyez ? Elle est vraiment agréable. Donc du coup, j'en ai pris deux, parce que c'est vendu par deux. Je vous montre maintenant les verres à latte. Vendu par deux aussi. Oh, il y a même des petites cuillères. Oh. Je savais même pas qu'ils vendaient des petites cuillères avec. Regardez. Il est super. J'adore la taille. Ça peut servir aussi pour des verres à thé. C'est vendu en fait avec deux petites cuillères de Nespresso. Bah pour le coup, on va bien les laver et on va se faire un petit thé ce soir. Ce sera tout pour aujourd'hui au niveau shopping. En fait, j'avais vraiment cumulé ce dernier mois mes petits achats pour vous faire montrer tout d'un coup, mais j'avais vraiment eu très envie de les ouvrir, de les utiliser,
Donc pour le coup, je suis super contente que je les ai ouverts avec vous. Et voilà. Les filles, je vais me prendre une bonne douche, me mettre en pyjama. Et puis nous allons démarrer le dîner de ce soir. Let's go. C'est ça que je vais le garder parce que je le trouve trop mignon. Et je vais vous allumer ma petite décoration bougie. C'est dingue quand même, comme l'ambiance et la chaleur d'une maison se réchauffent quand on allume quelques petites bougies. Petite baguette, enfin cuite. Allez, c'est parti pour le dîner. Poisson des mers sur un lit de purée. C'est parti. Allez, une petite pause soda en cours de route. Je commence par couper ma salade. Donc en fait, je vais faire une salade vraiment toute simple. Je l'aime beaucoup. C'est concombre, tomate, oignon rouge, persil, sel, poivre, huile d'olive et citron. Allez, on va venir couper nos petites échalotes et notre oignon rouge. Et voilà, les échalotes sont coupées. Je vais maintenant couper mon oignon rouge pour ma bonne salade. Je vous assure que cette salade est délicieuse. Je sais qu'elle est toute simple, mais c'est vraiment une incontournable. Je vais rajouter un petit peu de persil et puis j'assaisonnerai de citron, d'huile d'olive, de sel et de poivre. Alors, pour la sauce, nous allons pouvoir mettre de la margarine ou alors du beurre, un petit morceau, même un 50 g, suffira amplement. Vous rajouterez vos échalotes,
une à deux échalotes. Ça dépend vraiment combien de sauce vous voulez. Je pense que deux échalotes suffisent. Une bonne cuillère à soupe d'ail haché. Et puis là déjà, ça va sentir dans toute la maison. Ça sent super bon. Moi, je rajoute du gros poivre. Vous pouvez très bien mettre du poivre fin, il n'y a aucun souci. Je vais saler et je vais rajouter un petit peu de vin blanc, de préférence sec. Et puis voilà, vous laissez tout simplement réduire. Et enfin, c'est vraiment facultatif. Vous pouvez rajouter du persil et par contre le citron obligatoire. Et vous laissez réduire. Je procède donc à l'assaisonnement de ma salade. Donc, comme je l'ai dit, du persil, de l'huile d'olive, du citron, du sel et du poivre. Je vous montre comment ma sauce a réduit. Voilà, j'ai goûté, c'est délicieux. Par contre, je la mets dans un petit bol et j'y rajoute un tout petit peu d'huile d'olive. En fait, quand le poisson va cuire dans la poêle, je ne vais pas non plus relaver la poêle, ça ne sert à rien, puisque je vais rajouter de ma sauce par-dessus, en fait, au-dessus du poisson. Donc voilà, j'ai salé et poivré mon poisson et je le fais cuire à feu moyen. Et voilà, je recèle un petit peu, je repoivre et voici mon assiette. On s'est régalé et puis après nous avons vu un bon petit film, surtout en cette période. Voilà, je vous dis à tous à très très vite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.